Ben en fait, au PCF, on est comme les Français. On veut plus de cette Europe-là, mais on veut pas non plus en sortir. Donc on pense qu'il faut la changer, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va engager les élections européennes. C'est en essayant de poser les vraies questions, parce qu'on essaye justement de nous enfermer entre pour ou contre l'Europe, alors qu'en fait, on parle jamais de qui décide et pour quels intérêts. Et en Europe, il y a un vrai problème, c'est que ceux qui décident le font en fonction des marchés, des multinationales, des actionnaires, mais jamais à partir des intérêts des peuples. Donc nous, on veut porter cette grande question-là pendant ces élections avec un slogan qui sera l'humain d'abord, pas la finance en Europe. Nous lançons un appel à l'ensemble des forces sociales, toutes celles et ceux qui luttent en France contre la politique de Macron, contre la casse de l'hôpital, contre la privatisation de la SNCF, pour des conditions dignes dans les EHPAD, pour l'éducation à l'université, tous ceux qui mettent en cause dans leur bagarre les politiques ultralibérales de Macron, qui sont les mêmes en France et en Europe, à mettre leurs forces en commun autour d'une plateforme qui définit des intérêts, l'intérêt prioritaire des besoins humains et de la planète, à écrire ensemble cette plateforme et à s'unir dans une liste qui soit assez large et assez forte, assez représentative pour aller disputer la victoire à Macron et à l'extrême droite lors des européennes.